Bonjour et bienvenue sur Algomius. Dans une précédente vidéo, nous avons vu quelques opérateurs qui pouvaient être utilisés lorsque nous faisions des calculs avec des variables de type numérique. Nous aimerions voir maintenant quelques opérateurs, quelques autres fonctions qui sont basées sur les autres types. Et cette vidéo va s'attaquer justement au type booléen et va aussi s'intéresser à la représentation binaire d'un nombre. Et donc nous allons voir les opérateurs sur les booléens et les opérateurs bit à bit. Nous allons conclure encore sur les opérateurs propres aux chaînes de caractères et nous allons voir qu'en C++, les chaînes de caractères en fait sont une version simplifiée par rapport au C puisque le C++ permet l'utilisation des objets. Et donc ça veut dire que la chaîne de caractères est devenue un objet que l'on appelle string en C++ et l'objet string va nous permettre en fait de faire plein de choses, va nous permettre de redéfinir les opérateurs, va nous permettre d'avoir directement accès à des méthodes de la classe. Et le traitement des chaînes de caractères en C++ s'en voit grandement simplifié par rapport à ce que nous avions à faire en C. Donc cette vidéo va essayer de voir un petit peu les opérateurs que l'on peut retrouver sur les types non numériques. Et nous allons commencer directement avec les opérateurs booléens, les opérateurs logiques. Alors, les opérateurs booléens sont simplement des opérateurs qui vont agir directement sur des variables booléennes. Et les variables booléennes, ce sont des variables un petit peu spéciales qui peuvent avoir uniquement deux valeurs, vrai et faux. Alors on avait déjà vu qu'en C++, le booléen n'était pas vraiment un type et que les types booléens étaient interprétés finalement comme des numériques, comme des entiers. Et que la valeur 0 était souvent associée à la valeur faux et la valeur 1 à la valeur vraie. Cependant, même cette représentation nous permet de maintenir tous les opérateurs logiques que nous pouvons utiliser lorsque nous voulons construire une condition un petit peu plus complexe. Alors il y a trois opérateurs à connaître pour les booléens, le et logique, le ou logique et le non logique. Et donc nous allons voir un petit peu les tables de vérité de ces opérateurs et comment ils fonctionnent. Alors au niveau des tables de vérité, ce sont des opérateurs très simples. Alors vous avez l'opérateur et, alors je vais à chaque fois mettre le nom de l'opérateur logique en haut, et la représentation de C++. Hein. Le et logique, c'est deux et commerciaux qui se suivent. Alors, comment marche le et commercial? Eh bien, mes variables booléennes peuvent prendre deux valeurs. La première peut prendre la valeur faux, la première peut prendre la valeur vraie. La deuxième variable peut être faux ou peut être vrai. Et donc, quand vous avez un et commercial, la seule façon d'avoir A et B qui est vrai, eh bien, c'est quand A et B, toutes les deux, sont vraies. Toutes les autres possibilités vont vous ramener faux. C'est la table de vérité du et logique hein, qui va s'écrire comme ça en C++. Vous avez ensuite le deuxième opérateur qui est le ou, qui va s'écrire en fait avec deux barres verticales, hein, celui qu'on fait avec Algr6. Donc c'est le même symbole que les pipes hein, pour ceux qui font de la programmation système, qui utilisent énormément la ligne de commande. Et cette fois-ci, quand on a un OU, eh bien, le résultat de A ou B est vrai quand au moins une des deux est vraie. Donc c'est vrai quand A est vrai, c'est vrai quand B est vrai, et c'est uniquement faux lorsque les deux conditions autour de du OU logique sont fausses. Et enfin, il reste le dernier opérateur qui est NON. Et NON, en fait, est simplement une inversion. C'est-à-dire que quand vous avez la variable A peut valoir vrai, faux ou vrai, et non A va simplement inverser la valeur. Si c'était faux, ça devient vrai. Si c'était vrai, ça devient faux. Ok. Donc ça, c'est les trois opérateurs que l'on peut retrouver en C++, et en fait, on va se rendre compte que ces trois opérateurs suffisent largement pour pouvoir faire n'importe quelle combinaison d'opérateurs. Alors j'ai quand même mis une petite attention, les expressions booléennes contenant des « et des « ou » doivent obligatoirement contenir des parenthèses. Alors ça c'est une des règles de la logique, hein. Si jamais vous avez une condition plus complexe qui est écrite uniquement avec des « ou » entre les variables booléennes, aucun souci, vous n'avez pas besoin de mettre en place des parenthèses. Si vous avez que des « et », pareil, pas la peine de mettre des parenthèses. Par contre si dans une même expression booléenne vous panachez le « ou » et le « et », là vous êtes obligé de mettre des parenthèses parce que suivant l'ordre d'exécution de ces opérateurs, eh bien, vous n'aurez pas forcément le même résultat. Et en logique, en fait, aucun opérateur n'a la priorité sur un autre, donc ça va être vous, en tant que développeur, à spécifier en fait les priorités opératoires grâce aux parenthèses.
Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait simuler n'importe quel opérateur logique à partir de ces trois-là. Par exemple, on pourrait simuler l'implication, l'équivalence ou, par exemple, le ou exclusif, le XOR. Alors, ce que je vous propose simplement, c'est de faire une petite démonstration pour montrer qu'effectivement, on peut redéfinir le XOR à partir des trois opérateurs et ou et non que nous avons mis en place. Alors là, nous allons travailler sur deux variables booléennes, A et B. Et quand je travaille sur deux variables booléennes, eh bien, j'ai le droit simplement de dire, alors je vais les mettre là, hein, comme ça je pourrais redimensionner les colonnes, les quatre états possibles pour ces deux variables booléennes, eh bien, sont soit les deux sont à faux, soit A est à faux et B est à vrai, soit A est à vrai et B est à faux, soit elles sont toutes les deux vraies. Et en fait, il n'y a que ces quatre possibilités, je n'ai pas d'autres possibilités pour cela. Alors le XOR, comment est-ce qu'il va se définir? Le XOR, c'est le OU exclusif, et le OU exclusif va lui aussi donc se retrouver sur deux variables booléennes. Par exemple, on peut avoir A XOR B. Et donc A XOR B est vrai lorsque une des deux variables est vraie, mais pas les deux. Donc il est vrai quand A est vrai et que B est faux, et il est vrai quand A est faux et B est vrai. Et dans les autres cas, quand les deux sont faux ou quand les deux sont vrais, on aura faux. Donc ça veut dire que si je devais remettre cet opérateur ici, A XOR B, eh bien comme indiqué, il est faux lorsque les deux sont faux, faux. Il est faux lorsque les deux sont vrais et il est vrai le reste du temps. Voilà. Ok, ça marche. Du coup, comment je vais arriver à simuler cet opérateur? Bon. On va essayer de le retrouver. Alors on a le et, on va essayer de prendre la table du et, A et B, qu'est-ce que ça donne? Alors A et B, ça donne vrai quand A et B sont vrais, et ça donne faux le reste du temps. Donc A et B vrai, et le reste, ça va me donner faux. Ensuite j'ai A ou B, ça je l'ai à ma disposition. A ou B, si je reprends la table, c'est faux lorsque A et B sont faux, et c'est vrai le reste du temps. Donc ok, F. Vrai, vrai, vrai. Ok, ça marche. Bon. Alors moi, ce que je voudrais avoir, c'est faux, vrai, vrai, faux. Alors je vais essayer de le simuler à partir de là. Ici, j'ai 3 faux, 1 vrai. Ici, j'ai 1 faux, 3 vrai. Donc cette partie-là, simplement, je vais essayer en fait de la simuler. Ok. Comment je vais faire? Eh bien tout simplement, je vais essayer de faire en sorte de récupérer la négation de A et B. C'est-à-dire que je vais récupérer non A et B. La négation de non A et B, c'est quoi? C'est simplement, ça va me redonner l'inverse de A et B. Donc, tout ce qui était faux devient vrai, tout ce qui était vrai devient faux. Ok. Et maintenant, je vais essayer de m'appuyer sur ces deux colonnes pour récupérer le XOR. Et en fait, vous voyez que j'ai la possibilité de le faire, puisqu'en fait, il suffirait que je fasse un et entre ces deux colonnes, et serait à vrai lorsque les deux variables sont à vrai, donc il serait vrai ici, et serait à faux lorsque les deux variables sont à faux, ce qui me donnerait faux, vrai, vrai, faux. Et j'aurais donc exactement la même colonne que le XOR. Ben, c'est ce que je vais faire. Je vais faire A ou B et non, non, pardon, A. Non, c'est A et B. Alors, attends, je vais juste le mettre. C'est A et B et non. A ou B, voilà. C'est-à-dire que je prends cette colonne. Non, A ou B. Non, non, j'étais bon. Je me suis un peu perdu là avec Excel qui a débordé sur la colonne. Voilà. Je vais prendre A ou B que j'ai ici, non A et B que j'ai ici, et je vais simplement faire un et entre les deux colonnes. Donc faux et vrai, ça fait faux. Vrai et vrai, ça fait vrai. Vrai et vrai, ça fait vrai. Faux et vrai, ça fait faux. Et vous voyez que je récupère effectivement de nouveau exactement la même colonne que le XOR. Donc l'expression est un petit peu plus longue à écrire. Mais je suis arrivé à simuler l'opérateur XOR sans l'avoir de base, rien qu'avec OU, NON et. Donc en fait, tous les opérateurs vont pouvoir être simulés de la même manière. Et donc je n'ai pas besoin de beaucoup plus d'opérateurs. Je vais simplement, à partir de ces trois opérateurs de base, pouvoir simuler n'importe quel autre opérateur. Ok, ça marche. On va s'intéresser maintenant aux opérateurs bit à bit.
Et ça, en fait, je vais l'introduire avec un petit exemple. C'est pour ça que je vais reprendre un Excel. Peut-être zoomer un petit peu. OK. Alors, l'idée ici, qu'est-ce que c'est? On a peut-être déjà, si vous avez fait un petit peu de réseau, je vais prendre une adresse IP V4. Alors, n'importe laquelle. Hein. Alors, je ne suis pas spécialiste en réseau, donc peut-être que les adresses réseau, je vais les prendre un petit peu comme je le pense. Peut-être qu'elles ont une signification pour vous. Moi, je suis pas tellement. Le réseau, c'est pas tellement ma spécialité, mais on va essayer de comprendre comment s'appliquent les opérateurs binaires. Souvent, quand vous êtes en réseau, en fait, vous essayez de récupérer avec un masque de réseau simplement le réseau sur lequel vous vous situez. Récupérer le masque d'un réseau, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est récupérer les trois premières données de l'IPv4, par exemple. Comment je fais ça? Eh bien, tout simplement, je vais faire un opérateur logique qui va prendre 255, 255, 255, 0, et je vais créer un et logique là-dessus. Alors, comment ça marche et pourquoi ça marche? Eh bien, en fait, on va déjà prendre notre calculatrice pour comprendre un peu à quoi correspond la valeur 255. Je vais prendre ma calculatrice de programmeur, je vais me mettre en décimale et je vais voir que 255, c'est 8, 1 de suite. Donc, ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, donc ça, c'est 255. Maintenant, si je veux prendre 164, 164 en binaire, c'est 10, 10, 0, 1, 0, 0. OK. Donc là, en fait, je fais simplement l'opération sur cette première partie. Et qu'est-ce que ça fait, en fait, un et logique? Eh bien, si j'ai tout à l'heure écrit ma table de et logique, ma table de et logique, elle dit tout simplement que, elle dit tout simplement que si les deux sont à 1, le résultat va être à 1. Si j'ai 0 et 1, c'est 0. Il faut que les deux soient à 1. Là, ça va être 0. Là, ça va être 0. Là, ça va être 1, 0 et 0. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que quand je fais un et logique avec 255, c'est que je conserve, en fait, la valeur d'au-dessus. Vous voyez que je conserve exactement la valeur qui m'a été donnée au-dessus. Quand je fais un et logique avec 0, on va prendre cette partie-là, eh bien, 0, c'est quoi en binaire? Bah, 0, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et 78 en binaire, alors, moi, je vais prendre la calculatrice, hein, pour être sûr de mon résultat. 78 en binaire, c'est 100, 1110. Ok. C'est donc 100, 1110. Ok. Et là, en fait, si je refais un et logique, eh bien, on va s'apercevoir que 0 et 0, ça fait 0. Et puis, comme mon truc est à 0, mon opérateur est à 0, eh bien, en fait, je n'aurai jamais une valeur 1, puisque vous savez que le et, il faut que j'ai le 1 dans les deux opérandes pour avoir un 1 en résultat. Donc en fait, ce que ça va me donner de faire un et logique, c'est que ça va récupérer 164, ça va récupérer 203, ça va récupérer 104, et ici, ça ne va rien récupérer du tout, et ça va me mettre 0, et ça va donc me donner le masque de réseau. Voilà tout simplement comment ça fonctionne. Ça utilise vraiment la table de logique, qui est, enfin les éléments de logique qui sont derrière. Et donc si jamais vous avez besoin de faire des opérateurs bit à bit, comme je viens de le faire, eh bien, vous avez plusieurs opérateurs à votre disposition. Vous avez le et commercial à ne pas confondre du coup avec le et commercial doublé, hein. Deux et commercial, c'est l'opérateur logique. Un seul et commercial, c'est l'opérateur bit à bit. Attention là avec la différence. Le ou inclusif, c'est pareil. Vous allez avoir l'opérateur ou, mais sur les bits cette fois-ci. Alors que les deux lignes verticales, les deux pipes, vont être l'opérateur logique entre des variables booléennes. Attention, c'est pas du tout le. C'est la même notion qui est derrière, mais ça ne marche pas sur les mêmes types de variables. Vous avez cette fois-ci le ou exclusif, qui est l'accent circonflexe, que l'on vient de décrire, et vous avez en fait deux opérateurs de décalage, donc double plus petit que et double plus grand que. Donc ce sont des décalages droite et le décalage gauche sur une variable de type entier. Alors ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va utiliser ce décalage et on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Alors je vais prendre de nouveau un petit éditeur, voilà, et on va essayer de comprendre un petit peu comment marche comment est-ce qu'il fonctionne cet opérateur. Et pour cela, je vais prendre en fait tout simplement une variable de type entier, int 5, int, pardon, a égale 5.
même 25, hein. Je prends même quelque chose d'un peu plus grand, 25. Et ce que je vais faire, c'est que je vais afficher mon opérateur, hop, et je vais décaler A de 1 rang. Je vais faire un endl, donc je vais décaler mon A d'un rang vers la gauche, et je vais décaler mon A d'un rang vers la droite. Et on va essayer de voir ce qui se passe. Alors, je fais mon G++, ça s'appelle bit.cpp et tiret o bit.exe. Ok, tout fonctionne. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai mis un espace, mais on a le même résultat. Ok. Donc, en fait, je m'aperçois que j'ai 50 et 12. Alors, moi, au début, A, j'avais 25. Qu'est-ce que ça veut dire 50? 50, ça a l'air d'être le double de 25. Et 12, ça a l'air... Alors, arrondi à l'entier, mais d'être la moitié de 25. Alors, visiblement, en décalant de 1 d'un sens ou dans un autre, j'ai multiplié par 2 ou j'ai divisé par 2. Alors, d'où est-ce que ça vient, en fait? Eh bien, en fait, ça vient du fait que les opérations de binaire se basent, en fait, sur la base 2. Et se basant sur la base 2, eh bien, en fait, on va se rendre compte que c'est en fait l'application de quelque chose que l'on connaît depuis longtemps en mathématiques, mais nous on le connaît uniquement sur la base décimale. Par exemple, si je prends un nombre, par exemple 1580, eh bien je sais que si je le multiplie par 10, c'est quelque chose que l'on sait faire très facilement, ça fait 15 800. Tout simplement, multiplié par 10, ça va me permettre de décaler la virgule d'un rang vers la droite. Si celui-là, le 1580, tout d'un coup je le divise par 100, encore une fois c'est une opération très simple, puisque la partie significative ne change pas, tout ce qui change c'est que nous allons juste déplacer la virgule de deux rangs vers la gauche cette fois-ci. Ok, ça marche. C'est pour ça qu'à l'école primaire on adorait apprendre la table de 10, puisque la table de 10 c'était très facile, il suffisait de rajouter un 0 derrière. Ça marche. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bah tout simplement on a, quand on multiplie par 10, on déplace la virgule d'un rang, quand on divise par 10, on la déplace d'un rang dans l'autre sens. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est simplement, on a cette procédure-là parce que on est en base 10. Donc en fait, quand je multiplie par la base, eh bien tout simplement, je décale la virgule. Mais maintenant, si je suis en binaire, et que je prends par exemple 1100 en binaire, alors je vais me mettre en binaire, voilà, et je vais mettre la valeur 1100. Ok ? Donc 1100 en binaire, c'est 12 en décimale. Ok. Mais si maintenant je décale d'un rang la virgule vers la gauche, je vais me retrouver avec 110. Et 110, c'est quoi en binaire? C'est 6. La moitié de 12. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bah en fait, comme en base 10, quand je décale la virgule d'un rang, eh bien, je divise par 10. En base 2, quand je décale la virgule d'un rang, en fait, je divise par 2. C'est-à-dire que je divise toujours par la base. OK ? Il y a un mémotechnique très facile pour s'en retenir, hein, puisque en binaire, je vous le rappelle, si je commence à calculer en binaire, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et que je mets la représentation binaire, alors 0, c'est 0, 1, 10, 1, tac, hop, hop, voilà, et donc tout simplement, regardez la représentation binaire de 2, en binaire, c'est 10, donc c'est-à-dire que quand je divise par 10 binaires, je divise par 2 binaires. Si je divise par 100, je sais que si je divise par 100 en décimale, je vais reporter ma virgule de 2 rangs vers la gauche. Je vais déplacer ma virgule de 2 rangs vers la gauche, et bien en fait si je divise par 100 binaires, en fait je vais diviser par 4. Vous voyez que le 100 binaire c'est divisé par 4. Donc en fait c'est à chaque fois que vous déplacez votre virgule en divisant par la base. Voilà un petit peu pourquoi lorsque j'ai maintenant utilisé des nombres décimaux et que j'ai décalé ma représentation binaire d'un rang vers la gauche ou d'un rang vers la droite, j'ai simplement multiplié par 2 ou divisé par 2, j'ai donc multiplié par la base ou divisé par la base. Voilà un petit peu comment s'explique cette représentation binaire.
Ok, ça marche. Donc on a vu un petit peu comment fonctionnent les opérations sur les bits. Et nous allons maintenant essayer de voir un exemple pratique où cela pourrait nous servir. On va essayer de codifier une information avec des binaires. C'est-à-dire qu'on va essayer de dire, par exemple, on va se retrouver avec un code à 4 chiffres. Donc de base, il est à 0. Okay. 0, ça veut dire que tout va bien. Okay. Ici, on va dire que ce bit-là, c'est de l'information. C'est-à-dire que s'il est à 0, on n'a pas eu de message d'information. S'il est à 1, on a eu un message d'information. Ici, en fait, on a eu un warning. Donc, c'est un petit peu plus important que de l'information. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de soucis en particulier. Ici, c'est que l'on a une erreur. Okay. Donc là, si ce bit est à 1, j'ai une erreur. Tant qu'il est à 0, c'est que j'ai pas d'erreur. Et là, on va dire tout simplement que j'ai une erreur fatale, un truc incommensurable, à quelque chose qui s'est vraiment très mal passé et où j'aurai effectivement beaucoup de choses à réparer par la suite. Ok. Donc je vous propose une fois de plus de partir sur la représentation binaire et je vais les écrire une fois pour toutes pour qu'on les ait à côté. 12, 13, 14, 15, 16, je vais jusqu'à 16, ce sera largement suffisant. Donc là, on a notre représentation binaire. Hop. Pas que je me trompe. Hop. Non. Hop. Voilà. Et je vais avoir tous les codes. Ouais, 15 euros suffit. Ok. Je vais rester sur 15 et j'aurai tous les codes. Hein. Donc tout simplement, à partir de ces codes binaires, on va tout simplement retrouver que bah, si j'ai à chaque fois que dans l'unité j'ai 1, c'est que j'ai un message d'information. À chaque fois que dans les dizaines j'ai 1, c'est que j'ai un warning. À chaque fois que dans les centaines j'ai 1, c'est que j'ai une erreur. Et à chaque fois que dans les milliers j'ai 1, c'est que j'ai une erreur fatale. Et donc on va à chaque fois retrouver en fait le nombre qui est associé, le nombre décimal qui est associé à cette représentation binaire. Ok. Donc ça veut dire que on va mettre en place un petit programme et on va dire tout simplement que. Où est-ce qu'on peut avoir. Ouais. On va reprendre un petit peu notre éditeur et on va simplement se créer un nouveau fichier qui va nous faire des opérations sur les bits. Voilà. Hop, je vais reprendre de nouveau ça pour que ce soit clair. Et ce que je vais faire, tout simplement, je vais dire OK. Donc j'ai dit que si tout est OK, devrais avoir la valeur 0 dans mon message. Ça marche. Si j'ai une info, eh bien je devrais avoir le chiffre des unités à 1. Chiffre des unités à 1, ça veut dire que j'ai 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Donc ça veut dire que j'ai la valeur décimale 1. Ok. Ça marche. Si j'ai un warning, ça veut dire que j'ai 0, 0, 1, 0 en binaire. Mais 0, 0, 1, 0 en binaire, c'est ça. 0, 0, 1, 0 en binaire, donc c'est la valeur 2 en décimale. Comme je l'ai entier, je vais simplement le prendre en décimale. Int erreur, c'est quoi? C'est tout simplement quand j'ai en binaire 0, 1, 0, 0. Alors 0, 1, 0, 0, je vais le retrouver ici, c'est 4. Ok. 4. Et fatal. Fatal, c'est tout simplement quand j'ai une erreur fatale et ensuite j'ai 3 0. En binaire, 1 0 0 0, c'est 8. Et je m'aperçois effectivement que quelque chose que j'avais déjà noté, si je connais un peu la conversion binaire décimale, je me retrouve avec toutes les puissances de 2. 1, 2, 4, 8. OK. Donc maintenant, ce qui va être assez intéressant, c'est de se dire que si jamais je veux générer un message qui est à la fois un warning et un fatal, donc je prends une variable qui s'appellerait warning fatal, et bien tout simplement il me suffit d'additionner warning plus fatal. Donc c'est-à-dire que warning plus fatal, ça va me donner 2 plus 8, ça va me donner 10. 10, c'est ici, et vous voyez que la représentation binaire, c'est bien j'ai bien un 1 pour fatal et j'ai bien un 1 pour warning. Ok, ça marche. Alors comment je vais pouvoir récupérer des informations ici? Eh bien, tout simplement, je vais faire des tests et je vais dire par exemple if. Je vais essayer par exemple de voir si j'ai un warning là-dedans. Alors, comment je fais pour voir si j'ai un warning là-dedans?
Eh bien, je vais tout simplement utiliser l'opérateur logique et avec warning. Voilà. Et je vais dire, si je suis dans ce cas-là, alors j'ai un warning. Alors, comment ça marche? Comment c'est censé marcher? Alors, j'ai un warning fatal. J'ai dit que j'avais warning plus fatal. Donc, ça me faisait 2 plus 8. Donc, 2 plus 8, ça me faisait 10. Et j'avais donc la représentation 1, 0, 1, 0. Et maintenant, ce que je vais faire avec ce 1, 0, 1, 0, je vais simplement faire un et logique avec warning. Warning, c'est 2. Donc 2, c'est 10. Donc ça veut dire que je vais prendre 0, 0, 1, 10. Et donc, avec mon et logique, qui est ici, je vais simplement dire que, ben, avec mon opérateur bit à bit, ça veut dire que si je veux un 1 dans la solution, il faut que les deux opérandes soient 1. Donc là, ce n'est pas le cas, je suis à 0. Là, ce n'est pas le cas, je suis à 0. Là, les deux sont à 1, je conserve le 1. Là, c'est à 0, c'est pas le cas. Et donc, je récupère 0, 0, 1, 0. Je vous ai dit, en fait, en représentation booléenne, 0, c'était faux, 1, c'était vrai. Donc là, comme j'ai autre chose que 0, eh bien, effectivement, c'est considéré comme vrai et ça va détecter que j'ai un warning. En fait, ça me fait un filtre, c'est-à-dire que ça me permet de récupérer uniquement ce que j'ai besoin. Si maintenant je voulais voir s'il y avait une erreur, alors il n'y a pas d'erreur dans mon message, mais il suffirait en fait que je fasse tout simplement ça et que je fasse mon filtre, au lieu d'utiliser mon filtre avec warning, je le ferai avec erreur. Et erreur, c'est quoi? Erreur, c'est 4. 4, c'est la représentation 100, enfin 10, 0, 0, 1, 0, 0. Donc là, je vais mettre 1, 0, 0, et je refais mon opérateur, et vous voyez que là, ça va me donner 0, ça, ça va me donner 0, ça, ça va me donner 0, ça, ça va me donner 0. Et effectivement, comme je n'ai pas d'erreur et que mon filtre est uniquement sur l'erreur, je vais récupérer 0 en termes d'erreur. Comme j'ai récupéré 0, eh bien tout simplement, C++ va considérer que 0, c'est faux. Et donc, en fait, je n'ai pas récupéré d'erreur à ce niveau-là. Alors, on va lancer ce programme. Et normalement, si j'ai bien écrit les choses, je devrais avoir un warning qui s'affiche, mais par contre, je ne devrais pas avoir d'erreur. Alors, on va essayer. Donc on va faire un G++ op8.cpp et en sortie, je vais mettre op8.exe. Voilà. op8.exe, ça marche. Et j'ai donc un warning, effectivement, mais j'ai pas d'erreur parce qu'effectivement, le filtre sur l'erreur ne m'a ramené aucune anomalie. Donc, voilà un petit peu comment fonctionnent les opérateurs bit à bit. Si vous avez un besoin spécifique dans ce sens-là, n'hésitez pas à les utiliser. Ok. Dernière chose que je voulais voir dans cette vidéo, c'est les opérateurs sur les chaînes. Alors ça, c'est quelque chose qui va être plutôt des opérateurs, ça va être vraiment axé C++. Comme je l'ai déjà dit, en fait, le C++, c'est simplement du C auquel on a ajouté la notion de programmation orientée objet. Et nous allons voir que pour manipuler les chaînes de caractères en C++, il y a beaucoup plus simple que de créer des tableaux de chars comme on le faisait en C. Il y a en fait un objet qui s'appelle l'objet string, et cet objet a été créé spécifiquement pour manipuler des chaînes de caractères. Il contient énormément de méthodes et de redéfinitions d'opérateurs pour qu'en fait, on puisse manipuler facilement les chaînes de caractères sans avoir forcément à se soucier des allocations de mémoire que l'on pourrait avoir en C. Alors on va retrouver un grand nombre d'opérateurs, l'opérateur par exemple d'égalité, de différence, et ça c'est vraiment très intéressant en C++ puisque quand on est habitué en fait à faire ces opérateurs-là en numérique, ben, c'est une bonne idée d'avoir exactement les mêmes opérateurs pour les chaînes de caractères. Ça nous permet de se souvenir en fait que les opérateurs sont exactement les mêmes et qu'on peut les utiliser de la même façon. Même si l'objet string est un objet, on peut toujours atteindre un élément grâce au crochet, tout simplement parce que les crochets peuvent également être redéfinis dans l'objet lui-même. Ce sont aussi des opérateurs. Nous avons aussi les opérateurs de comparaison supérieur ou inférieur, mais là il faut faire attention puisque c'est l'ordre alphabétique qui est pris en compte. C'est-à-dire que si jamais vous comparez des valeurs numériques qui sont contenues dans des chaînes de caractères, vous risquez d'avoir des surprises au niveau de ce que vous allez obtenir. Par exemple, on va juste prendre un petit exemple dans notre éditeur. Voilà. Je vais l'appeler chaîne.cpp. Une fois de plus, je vais prendre le cartouche hein, pour que
le prototype, voilà. Imaginons que, alors je vais avoir besoin de ma classe string, donc je vais faire simplement un include ici, et je vais en fait inclure ma classe string. À partir de ce moment-là, j'ai le droit de créer un objet de type string. Donc je vais l'appeler S par exemple, ou S1, je vais en créer plusieurs. Et dans S1, je vais par exemple le mettre 99. 99, et dans string S2, je vais mettre par exemple 100. Voilà. Et ce que je vais faire, tout simplement, je vais essayer de voir if S1 supérieur à S2, alors je vais écrire tout simplement 99 supérieur à 100. Alors en termes numériques, c'est pas vrai, mais on va regarder en fait ce qui va se passer en termes de chaîne de caractères. Je compile chaîne++ chaîne.cpp et je fais un exécutable chaîne.exe. Voilà, et je fais chaîne.exe. Voilà, et ça me dit effectivement que 99 est supérieur à 100. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout simplement, je vous rappelle que là, on est sur de la chaîne de caractères, et donc la chaîne de caractères, on va simplement la trier par ordre alphabétique. Et on s'aperçoit en fait que C++ va considérer 99 et 100 comme étant deux mots, et il va considérer comme 1 étant avant 9 dans l'alphabet, donc pour lui, en fait, 100 est plus petit que 99. Il va ranger en fait les nombres par ordre alphabétique. Alors c'est le même problème que vous avez quand vous créez une arborescence, hein. Quand vous créez une arborescence avec des dossiers et que les dossiers vous les nommez par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et que vous créez le dixième, en fait le dixième va se mettre tout de suite après le 1. Il va s'intercaler entre le 1 et le 2. Et c'est normal parce que les répertoires sont également triés par ordre alphabétique. Et donc tout simplement, il va considérer que 1, 10, c'est avant 2, 20. Et ainsi de suite. Donc comment est-ce que je résous ce problème? Bah là, encore une fois, je suis obligé de, si je veux faire une comparaison numérique, bah, j'ai pas trop le choix. Je vais simplement utiliser une fonction de cast qui va me transformer une chaîne de caractères en entier. Donc S to I, hein, c'est string to int. Et à partir de ce moment-là, une fois que j'ai converti mes deux chaînes de caractères en... Une fois que j'ai converti mes deux chaînes de caractères en valeur entière, cette fois-ci, il va faire un test sur la valeur numérique des nombres, et vous voyez que cette fois-ci, je n'ai plus de message affiché. Donc attention, ça peut être source d'erreur aussi quand on commence à développer en C++. Sinon, pour les opérateurs de chaîne de caractères, encore une fois, je ne peux pas vous détailler entièrement la classe string, il y a beaucoup trop de méthodes, hein. Mais maintenant que vous savez qu'elle existe, et si vous avez un besoin spécifique, par exemple, chercher une chaîne dans une sous-chaîne, récupérer que le début d'une chaîne, récupérer que la fin d'une chaîne, récupérer une valeur au milieu, bah, ça va être des fonctions substring, des fonctions trim ou ce genre de choses. Vous allez les retrouver facilement dans la référence qui va parler en fait de la classe string. Je vais juste vous montrer quelques fonctions usuelles que l'on peut utiliser. Par exemple, si vous avez besoin de savoir la taille de la chaîne de caractères, c'est-à-dire combien il y a de caractères dans ma chaîne, vous pouvez utiliser la méthode size. Alors là, je parle bien de méthode de classe. C'est important de comprendre ça parce que vous allez voir que la méthode n'est pas appelée comme une fonction classique. Une fonction classique, on appellerait la fonction et on mettrait en paramètre la valeur dont on veut la taille. On mettrait size et entre parenthèses s. Et là, on fait s.size. Pourquoi en fait? Parce que s est un string, donc un objet, et l'objet contient lui-même les attributs et les méthodes. Donc c'est à partir de s qu'on appelle la méthode. Donc c'est un peu un changement de philosophie, on reviendra dessus lorsque l'on parlera de C++ et de la programmation objet en C++, mais gardez à l'esprit maintenant que c'est simplement la syntaxe lorsque vous utilisez les méthodes qui sont propres à un objet. Je peux vider ma chaîne de caractères aussi avec un s.clear, ou je peux vérifier que ma chaîne est vide avec s.empty. Voilà. Alors, simplement, pour terminer cette vidéo, je voudrais juste écrire un petit programme qui lit deux mots. Alors, je dis bien deux mots et pas deux chaînes de caractères, parce qu'effectivement, la fonction sin qu'on a vue jusqu'à maintenant, si jamais vous mettez un espace dans votre saisie, il va considérer simplement que c'est deux saisies différentes. Si jamais on veut saisir une phrase avec des espaces, on va être obligé de passer par la fonction getLine. Mais là, maintenant, je voudrais vraiment rester sur la fonction string. Donc, on va juste lire deux mots dans la console.
On va classer ces deux mots dans l'ordre alphabétique et on va les concaténer à partir de l'ordre alphabétique. Et ensuite, on va afficher la taille de la chaîne obtenue. Voilà un petit peu ce que l'on va faire qui va nous permettre de voir un peu comment fonctionne la fonction string. Enfin, la classe string. Alors, je vais rester sur chaîne. Ouais. J'ai donc mis un include sur ma classe string. Et ce que je vais faire déjà, donc je vais déclarer deux strings. Ce sont les deux strings qui vont être lus sur l'application console. Alors je les initialise à vide hein, pour être sûr que ce soit des chaînes de caractères valides. Alors je vais mettre S1, S2, hein, comme c'est des chaînes de caractères. S1, S2. Et je vais aussi déclarer une string qui va prendre la concaténation des deux chaînes. Pour l'instant, il n'y a encore rien dedans. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais commencer à demander à l'utilisateur de me donner la chaîne 1. Voilà. Cette chaîne 1, eh bien, je vais la lire. Voilà. Ensuite, je vais demander à l'utilisateur de me donner la chaîne 2. Je vais m'empresser de la lire également. Et à partir du moment où j'ai ces deux chaînes dans mes deux variables, je vais commencer à les comparer. Alors si la chaîne S1 est inférieure à S2, alors dans ce cas-là, la concaténation va être S1 plus S2. J'ai dit que quand je concatène, je mets toujours la chaîne qui est la plus petite, donc c'est-à-dire celle qui arrive avant dans l'alphabet d'abord. Sinon, bah sinon, ça veut dire que la chaîne 2 est plus petite que la chaîne N1. Et dans ce cas-là, je vais mettre S2 plus S1. Voilà. OK. Une fois que j'ai fait ça, bah il ne me reste plus qu'à faire un affichage pour expliquer ce que j'ai fait. Donc je vais mettre la nouvelle chaîne. La nouvelle chaîne, c'est quoi? Ben c'est C, hein, c'est ma concaténation. Et j'avais dit que je voulais aussi la longueur de la chaîne. Hop, je vais écrire simplement de longueur. Là aussi, je ne suis pas obligé de calculer la longueur de la chaîne, hein, puisque je vous ai dit que C est un objet de type string. Et donc, dans mon objet de type string, j'ai énormément d'éléments, de méthodes que je peux récupérer, dont celle, par exemple, de size qui va me donner la taille de la chaîne. Il reste à voir maintenant si tout ce que nous avons écrit fonctionne. Donc je vais juste sauvegarder. Je vais recompiler chaîne.cpp et je vais relancer chaîne.cpp, chaîne.exe. Voilà. Donc ça me demande une première chaîne. Je vais écrire par exemple FFF. Voilà. Et je vais écrire AAA. Voilà. Et la nouvelle chaîne, en fait, vous voyez qu'il m'a bien concaténé AAA d'abord, même si c'était la chaîne 2. Mais en fait, il a inversé les deux parce qu'il a fait une comparaison. Puis FFF, et il m'a donné la longueur 11. Alors est-ce que ça colle? J'ai mis 5F, j'ai mis 6A, donc ça fait effectivement 11. Donc il m'a bien calculé la longueur. Donc on reviendra un petit peu sur les objets quand on parlera plus de C++ objets. On va juste garder à l'esprit que à chaque fois que vous invoquez un objet, et ici c'est le cas, string est un objet, les méthodes qui sont comprises directement dans l'objet vont utiliser cette syntaxe bien précise. Vous allez partir de votre variable de type objet, point, et vous allez lancer la méthode dans l'objet. Puisque la méthode est comprise dans l'objet, c'est bien la méthode de cet objet-là que vous voulez lancer. Donc la syntaxe est un petit peu différente. Voilà, ben on a fait notre programme qui marche et on a essayé d'exploiter au maximum les méthodes de la classe string. Donc si vous avez des méthodes dont vous avez besoin dans la classe et que vous les trouvez dans la documentation, ben, elles vont utiliser exactement la même syntaxe que nous venons de voir ici avec la fonction size. Voilà, je termine donc cette vidéo avec ce tour un petit peu des différents opérateurs et des différentes fonctions que l'on pourrait retrouver sur les booléens, les bits et les chaînes de caractères. C'est une introduction, hein. Naturellement, je ne peux pas être exhaustif sur toutes les fonctionnalités et toutes les méthodes des différentes classes, mais j'espère vous avoir donné un bon visuel, en fait, une bonne approche de comment les choses se passent, comment les opérateurs peuvent être utilisés, comment je peux intégrer de nouvelles fonctions, comment je peux utiliser également des méthodes de classe,
Et ensuite, effectivement, plus vous allez programmer, plus vous allez avoir des besoins, plus vous allez vous référer à la documentation technique pour voir comment marchent ces méthodes ou comment marchent ces fonctions. Et vous allez engranger de plus en plus d'expérience au fur et à mesure que vous allez continuer dans vos développements. Alors maintenant qu'on a vu comment marchent les variables, comment affecter un type à une variable et comment ce type en fait va me permettre d'avoir des opérations très différentes sur les différentes variables que je vais essayer d'interconnecter, il va maintenant être intéressant de voir des structures de contrôle. Comment je vais pouvoir influencer mon programme pour qu'il fasse des tâches diverses et qu'il ne fasse pas toujours la même chose. Donc ça, on va le voir avec des structures conditionnelles. Et comment je vais pouvoir répéter une instruction sans avoir à la retaper, parce que effectivement, c'est pas très intéressant d'avoir à taper toujours les mêmes instructions. Donc ça va être les mécanismes de structure conditionnelle et les structures de boucle que l'on va voir dans les prochaines vidéos et qui vont nous permettre un petit peu de structurer notre programme et de faire beaucoup plus de tâches avec un minimum de code. À bientôt !